listen.
Coucou, coucou! C'est que moi j'ai fini ma classe. Presque pas en retard. Hop! Eh ben je sais pas. Et je sais pas s'il est dans le chat. Toi. Est-ce que t'as récupéré tes 6500 points de chaîne? Alors, oulala. Donc on en était à le temple de la forêt. Gna gna gna, j'étais allée à un endroit, ça m'avait saoulé parce qu'il me manquait encore une petite clé. Et je crois qu'on en était à peu près là. Faut juste que je me remette dans les boutons. Parce que autant vous dire que c'est pas les mêmes boutons que Xenoblade Chronicle 3. Bon, il a sûrement triché pour les avoir. Comment ça, c'est pas possible? Où ça m'éclate? Après, je stream quoi? 8 heures par jour? Alors là, c'est bloqué. Ou c'est pas bloqué là? Ouais, ça j'avais cru comprendre du coup. Au moins. Je
Mais allez. Mais y a rien qui va. Voilà. Ouais, tu l'as jamais vu sur son serveur Minecraft. Allez. Oh, ça va être long. C'est le dinavi. Stalfos, attire-le et observe bien ses mouvements. Attaque quand il baisse sa garde. Oui, mais ça fait pas beaucoup, hein. Ça va les chevilles, Flork. Après, je pense que c'est plutôt aberrant le nombre de cœurs des nouveaux. Genre quand t'as 40 cœurs. Mais c'est qui décide de si la prédiction elle est résolue ou pas? Ah ouais! Mais en théorie, c'est moi. Ok. Une petite clé. Bon, peut-être on va se soigner quand même. Oh là là, j'ai encore voulu changer l'angle de vue. Oh là 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 là. Start. Mais ma petite fée! Voilà, viens faire câlin. Donc tout ça, machin, une petite clé. Ah oui. Mais. Oh. Je vais me barrer, c'est bon, ça m'a saoulé. Je dois faire quoi? Alors, mais ça me le propose pas. Ah, je dois dire que ce Flork c'est le meilleur. Eh ben oui, Flork c'est le meilleur. C'est bon? Bon, on me l'a un peu extorqué sous la contrainte, mais. Vous venez de détruire une sculpture d'or. Bravo! Tout ça pour me faire me tenir droite et tout en plus. Aïe aïe aïe. Tout le monde me déteste. Aïe 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 quand même. N'importe quoi. Mais tape, espèce de patate. Ah oh mais je galère. Eh ben félicitations. Vous vous rappelez où est-ce qu'elle était la troisième petite clé qui me manquait? Alors c'était, ah oui, au bout du couloir. Donc il faut que j'aille au sud. Nia nia nia. Il doit y avoir une porte. Alors attendez. Hop. Hop. Donc c'est là-haut. Mais comment j'y vais là-haut? Je suis un peu à la ramasse. Allez, monte.
Donc, hop, ça m'emmène en dessous, mais... Ah, mais en plus, il s'est vidé, du coup, le sagouin. Bon, dans le doute, j'ai toujours soif. Ok. J'ai même vérifié que j'avais bien ma bouteille. Et voilà. Bon. J'aurais pas dû m'arrêter au milieu du temple, comme d'hab. Que moi, je veux aller. Là, mais ça jointe pas. Oh, ya, je me rappelle plus. Il fait pas bon de vieillir, moi je vous le dis. Quelle est là la porte? Mais je l'atteins pas. Bah, elle est par là-bas. Allez, grimpe, 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 grimpe. Ok, donc c'est là qu'on passe de l'autre côté. Très bien. Donc je me suis moins perdue que ce que je pensais. Donc on a dit, on est là. Et il faut aller. Sais plus où je dois aller. Là, gna gna gna, ça change l'eau. J'essaye de le redépiler dans ma tête, mais j'ai un peu du mal. On va s'écroiser au sol comme une merde sur du béton. Ah oui, effectivement, j'avais oublié du coup. Donc ouais. Mais bien sûr, je veux faire de l'ocarina. Mais je vois pas. Comment après j'étais retournée? Alors je suis désolée, hein. Je suis complètement à la ramasse. Je me rappelle plus du tout de ce que je dois faire. Donc je vais continuer à dérouler le plan. Et à voir. Aïe! Mais je suis tombée de vachement moins haut que d'hab et... Oh là là. Que là du coup on est content, on peut remonter, il y avait une petite clé, on l'a eu. Ça m'avance pas du tout. Tout cela me plonge dans la perplexité. Ah, mais là, on peut monter. Est-ce que je me rappelle le moment où BH Papineau, il avait trollé en disant qu'il me fallait... Ça fait quoi? Parce que je les connais même pas, en plus.
C'est laquelle, celle qui coûte 4000? Ah! J'en ai tellement en route là en ce moment des jeux. J'en suis à 7 en route. Ça fait beaucoup. Ou ça m'agace. Ah non, mais je crois que je suis débile. Tout à fait. Je me rappelle. Ouais. Donc il y a Zelda Ocarina of Time. Il y a Pokémon Let's Go Evoli. Il y a Xenoblade Chronicles que j'ai commencé tout à l'heure. Il y a Immortal Phoenix Rising, mais ça fait un moment que j'y ai pas joué. Il y a Harvestella, mais ça fait un moment que j'y ai pas joué. Il y a Octopath Traveler 2. Et je sais pas combien on en est, mais ça doit faire 7. Ah, c'est pas de ce côté-là que je voulais aller. Et Super Mario Odyssey, donc ça doit faire 7. Peut-être 8 du coup. Elle a jamais vraiment su bien couper, hein. Mais non, mais je peux pas utiliser mes doigts parce que je tiens des manettes. Alors, donc là, je suis là et du coup, en fait, je veux aller 90 degrés à droite. Et j'ai pas compté en même temps que je disais parce que j'étais concentrée sur autre chose. Je sais très bien compter d'abord. Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà. Non mais oh. Et du coup, faut qu'on refasse le compte ou... Ah ouais, mais eux, ils vont être revenus à leur place aussi. J'aurais pas dû aller me coucher hier. Mais c'est à Ocarina of Time qu'on a joué aussi hier soir? Ah non! Non, on y a joué hier après-midi. Parce que j'essaye de pas faire toujours les mêmes jeux les soirs, mais... J'ai 3 streams par jour, j'ai 3 jeux en cours, donc à un moment... Oh yes, ils étaient pas revenus. Oui, ok. Donc les cailloux, ils étaient pas revenus à leur place, c'est trop bien. Donc touk touk touk. Donc on va récupérer l'arc, je pense. Et avec ces joysticks-là, je pense que je vais tellement chier. Mais tellement. Mais genre tellement. Hop là. Là, on va arriver à l'endroit super creepy où il y a les mains au plafond. On serre les fesses, on se dépêche. Voilà. Ah oui, mais j'ai pas les... Oh, ce grognonieux. Ah non, ça va. Est-ce que moi je tombe? Oui.
C'est un semi-boss. Alors faut pas trop que je le fasse tomber parce que je dois le tuer. Et lui il m'a tué. Mario Odyssey, Arvestella, Pokémon, Xenoblade, Zelda. Il y a aussi Immortal Phoenix Rising. Mais il me tape alors que j'avais mon bouclier là. Et j'ai trop envie de jouer à Dragon Quest en ce moment. Ah, donc j'avais bon avec mon set. Non mais où? Parce qu'en fait j'avais compté et du coup ça me faisait 8. Ça me faisait 6 mais j'avais oublié Arvestella. Un peu chiant à battre. Et Mario Kart, je le compte pas parce que c'est... Enfin, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas un début et une fin. Piou, fait 2-1. Par contre... j'aime pas du tout le fait que... Les ossements, ils restent au sol. Après, il est long, quand même. Moi, mon premier Zelda, c'était Ocarina of Time. Mais je l'ai fini quoi? 2 fois Breath of the Wild, je pense. 3 fois, peut-être même. Wouhou, vous trouvez l'arc des fées. Je me suis tellement fait pourrir. Les bébés, elle fait tellement pas dodo. Alors ça m'arrangerait qu'il y ait une fée dans un des... Ok, donc on est où? Du coup, dans cette affaire. Ok, on est là. Je crois que je viens de rouge, moi. Mais je peux retourner à rouge. Donc voilà, là, maintenant, l'idée, ça va être de tirer dans les... je crois qu'il faut l'abonnement machin connect. Ouais, il faut l'abonnement Stitch machin Switch Online. Oui, Stitch Online. Que je me planque. Alors d'abord, faut que je regarde celui-là. Ok. S'il y avait un Stitch Online, je l'aurais. Ah oui, il faut le battre en plus. C'est vrai. Donc voilà, tout simplement.
Ah oui, il faut pas les... Faut pas trop les viser, sinon ils disparaissent. Mais il a combien de points de vie? Ah, je pense que le bébé dit papa. Et ça, c'est fait. Et de 1. Alors, qu'est-ce qu'il va m'offrir? Là, du coup, j'ai été... Alors, j'ai fait... Ce matin-là, j'ai fait le dragon à Désolande. Et j'ai été obéi au pays de Bowser. Et... Ah si, bah, je viens d'arriver sur la lune. Voilà, en gros, on vient d'arriver sur la lune. J'ai fait les deux trois premières lunes. Et voilà, en gros. Donc je suis à 190 lunes à peu près, un truc comme ça. Bah oui, tout à l'heure, papa, il a grondé Raphaël, a raison. Et du coup, bah, elle lui avait pas fait un assez gros bisou avant le dodo, alors il a fallu qu'elle réattendait un bisou de son papa. C'est tellement mignon. Alors, c'est pas ça que je voulais utiliser, clairement. Alors, et ben voilà. Là, du coup, comme d'hab, enfin, comme d'hab, il y en a 4 des fantômes, et on va se faire devoir se fader les 4. Sous la même forme. Je sais pas. Franchement, pour Mario, je sais pas. J'ai pas encore décidé. Parce que... Voilà, dans Tears of the Kingdom, au début, je me disais, ouais, non, je vais pas faire tous les temples, tous les machins. Finalement, je les ai fait quand même. Pareil... Dans Arceus, je m'étais dit, ouais, je vais pas finir le Pokédex, et finalement, je l'ai fini quand même. Donc, je sais pas encore. Je pense que ça dépendra de... S'il y en a des 2-3 trop tricky, je lâcherai l'affaire, mais je sais pas. Je pense que je verrai le moment venu. Non? Bah oui, je suis dos à lui. Mais c'est pas impossible, mais j'utilise les Solus. Clairement, je suis pas... C'est ça. Mais il meurt ou pas? Voilà. Voilà, clairement, les Korogu sur Tears of the Kingdom, je les ai pas tous faits. Hein. J'en ai fait 430, un truc comme ça. J'avais la map et je faisais full avec la map. Je me posais pas trop de questions. Hop! Mais qu'est-ce qu'il va donc y avoir dedans?
Enfin la boussole. Alors, où qu'on est? Ok, oui, ça, ouais, ouais. Hein? Ok. 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 Très bien. Je m'attendais pas à arriver de ce côté-là. Est-ce qu'ils seraient revenus les... C'est un peu la dèche en cœur là, en fait. Clairement, j'irai avant le boss, j'irai vider mes poches. Enfin, j'irai vendre mon esprit qui est dans ma bouteille et j'irai racheter des fées. Sinon, ça va me stresser. Ah mais oui, mais complètement. Et mettre toujours le casque Korogu. Il faut une clé. Ah, c'est bon, je l'ai. Toujours le masque Korogu qui a zéro de défense. C'est insupportable aussi. Regarde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond. On va un rubis super, j'aurais préféré des cœurs en fait. Mais bon. Moi je viens de là. On a dit qu'il n'y a pas de coffre dans cette... Dans cette pièce, non. Bah monte. Voilà. Mais je pense que dans Tears of the Kingdom, j'ai loupé quelques quêtes annexes. Je pense, ouais. Qu'elles apparaissent pas toutes, j'ai pas poncé la carte. Je sais pas quand je refais Breath of the Wild. Pas tout de suite, je pense. Là, les 300 heures de Tears of the Kingdom, ça m'a déjà bien... Et Breath of the Wild, ça ressemble quand même pas mal, quoi, donc... Oh non, j'ai pas la clé! Oh sérieux, ça me saoule là, leur petite clé. J'ai fait 15 allers-retours hier. Parce que bah je trouvais une clé, j'allais à un endroit, la porte d'après il fallait une clé, mais j'avais pas la clé. Oh, scrognugneux. En plus on peut pas sauter. Donc je dois faire le tour des escaliers. Bah, moi, j'avais publié sur mon mastodon la photo de la carte. Il y a une map interactive où il y a tous les Korogu. Et juste la map, elle était en dézoomé. C'était juste une grosse masse violette de... Parce que les tokens des Korogu, ils sont violets sur cette map. Mais c'était juste... Bah, t'as mis le Korogu, quoi. Donc, t'avais des trucs de partout. Et ouais. Sachant que dans Breath of the Wild, il y en a 900 et quelques. Et ils sont pas au même endroit, donc ça veut dire que sur la même map à peu près, quand même, ils en ont trouvé à presque 2000 à mettre. Et pas à des endroits trop random en plus. Donc ouais, non, c'est des fadas. Bon, je suis perplexe, j'ai aucune idée. Ah mais si, mais maintenant que j'ai récupéré l'arc. Je vais aller ici. Les monstres parce qu'ils vont me saouler. Mais oui. Après, vu le temps qu'ils mettent à les développer leur jeu, y a quand même du taf derrière. Mais oh! Je sens que je vais utiliser une bombe par flèche. Ça va être relou.
Et voilà, un petit coup de repassage sur. Ah mais attendez, mais il me manque un coffre ici. Alors les monstres y reviennent. Mais pas les cœurs, c'est un peu de la triche quand même. Déjà, quand on faisait Ocarina of Time, quand j'étais petite, on était là. Ah, quand même, il y a 60 sculptures là, il a fallu bien les caser quand même. Oui, alors ok. Il y a un coffre de noter là. Je sais pas où il est le coffre. Ouh là là! Toi, t'aimes de te faire du mal quand même. Alors, j'explique. Infinite Fusion, c'est un jeu où tu fusionnes des Pokémon pour faire des nouveaux Pokémon. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de la clé du boss, sérieux? Bon, il y a un trou au sol, donc c'est bien aussi quand même, mais. Genre, il y a des trous de partout dans ma map, mais j'ai la clé du boss. Et en plus, ça va biper pendant 15 plombes. Je vais tellement mourir. Ça va, il me reste une fée normalement. Normalement. Oui, c'est bon. Oh, sérieux, je m'en sors pas top avec les. Avec les commandes ce soir. Hein. Oh ya ya. Voilà. Pfiou. Et je vais baisser un peu le store encore parce que. Ah bah oui, ça se voit en plus sur ma tronche. Voilà. Ok, on arrive là. Très bien. Va récupérer ça, super. Là, on a deux portes. Aïe aïe aïe. Non, une main. Ah oui, c'est vrai. C'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu. Il y a intérêt à avoir un truc. Ah bah ça va être une petite clé. Ouhou. Mais j'ai plus de fées, je me sens à poil. Je me sens vraiment tout nu. Ok, on arrive là. Touk touk touk.
Et donc il y a un coffre quelque part là-haut. Je sais pas où il est, comment on le trouve et tout. C'est fou cette affaire. Ah mais non, là c'est pas au même endroit. Il ne comprend pas. Donc là je cherche le coffre qui est sur la map, mais que... Voilà. Ouf. Un petit coffre. Sérieux? Je me suis enquiquinée là pendant 15 plombes. Pour ça, quoi. On saute de 28 étages et il a mal. Sérieux, il chipote. Quand même. Ouais. Hop, donc très bien. Le prochain endroit, c'est là-haut. J'ai toujours pas trouvé de fée. J'hésite sérieusement là tout de suite à ressortir et à revenir plus tard. Enfin, il y a à me faire les. Ouais, si, je vais faire ça. Quoi? Ah non! J'ai rien comme. Pour l'esprit, je peux pas aller virer l'esprit de ma poche parce que je vais pas retourner jusqu'à Hyrule. Mais je vais aller à la fontaine des fées, qui est dans le bosquet sacré. Où je m'enquiquine pas. Oh, je sais pas. Allez, on va pas s'enquiquiner, on verra. Tant pis. Je vais stresser, j'aurai un ulcère. Et puis c'est tout. Tadam! J'y suis déjà allée là, non? Bah ouais. Ah. Du coup, tu télécharges WinRAR. Cette patate, j'avais pas vu ce petit coffre. Et la sculpture là associée. Non! Non mais c'est bien comme ça, si les gens me demandent. Je leur dirais de te demander. Mais je vais recauchemarder sur le tank ultime Ronflex l'euphorie. Alors. Donc on voudrait passer par cette porte-là. Thank you.
Je pense qu'il faut faire peut-être un champ du temps. Alors, je vais juste ressortir ma petite image avec tous les champs. Voilà. Donc non, c'est pas le champ du temps qu'il nous fallait. Très bien. C'est un peu chiant. Voilà. Je sais jamais ce qu'il faut faire. C'est bon, ça m'agace. Solus. Temple. C'est quoi le temple? C'est le temple de quoi? De la forêt? Ocarina of Time. Ouais, super, c'est vraiment porte à porte, quoi. Alors, oui, ça j'ai fait, ok. C'est maintenant la porte de droite. Ok. Donc en fait, il y a un endroit, il y a un des couloirs qui tournicote, il faut que j'y retourne. Oui, bah voilà. Ok. Je vois à peu près où je dois aller, mais je sais pas comment je dois y aller. Donc tout va bien. Super, wonderful. Alors, je vais reprendre un peu plus haut. Bref, on se barre de là déjà. Donc je suis là. Et il faut que j'aille là. Sérieux, il faut que je repasse par là-bas en fait. C'est pas cette porte que je voulais prendre. Elle avait pris celle de ton lit. Oui, pardon, excuse-moi, mon cœur. En ce moment, l'abominable petite créature, elle a décidé que les choses aux gens devaient être avec les gens. Donc elle trouve un objet random à quelqu'un dans la maison et elle va l'amener. Donc tout à l'heure, Flore qui était en visio, et elle lui a amené des chaussettes, sa bouteille, tout amené. Voilà, c'était super pratique. Mais elle a pas encore compris qu'on était bordélique et je pense que ça va être difficile quand elle le comprend. Mais je veux pas des sous. Je veux des fées. C'est pas compliqué, des petites fées. Ouais, franchement. Non, ça va. Et même que des fois, elle a des petites larmes sur ses petits yeux et... Ah. Sérieux. Mais ouais, là, elle est vraiment dans sa période orange.
Bah sauf tout à l'heure. Tout à l'heure, elle a renversé un jouet, elle était trop contente. Je lui dis, mais par contre, il faut ranger. Je lui dis, parce que si tu ranges pas, bah du coup, c'est maman qui va ranger et j'ai pas envie de devoir le ranger qu'un fois, donc après, peut-être, je le rangerai. Rien n'a pété. Au moment, je la regarde, je dis, mais ça me rend triste si c'est tout pas bien rangé. Et elle a commencé à ranger les jouets. Voilà. On joue avec ses sentiments aussi. Ah oui, ils ont dit qu'il fallait retourner. Alors. Ok, c'est ça. C'est bon, je me suis retrouvée dans la soluce, je sais où j'en suis. Mais elle ressemble à bébé Piche. Donc, pouf, on va enfin y arriver. Oh, et on doit redescendre et remonter. Oh. On en fait des kilomètres. Pas de souci. Puis fais attention parce que les graphismes, on dirait presque que c'est un vieux jeu. Non, mais pas de souci. Bon courage en tout cas. Non, mais sérieux, ça fait 1 heure que je suis passée. Ils auraient pu remettre des cœurs. Après, j'ai pas besoin de cœurs, mais. Mais en plus. Pour les jeux, c'est horrible parce que dès que je joue à un jeu, ça me fait penser à un autre jeu. Du coup, là, j'ai trop envie de jouer à Zelda Twilight Princess, mais enfin, j'ai quelques autres jeux déjà. D'ailleurs, j'avais envie de jouer à Dragon Quest. Je stream à plein temps et j'ai pas assez de temps pour jouer à tous les jeux. Alors, hop. Voilà. Si derrière il y a une petite clé à trouver, je crame la baraque. J'en ai marre. Ok, compris. Oh non, il y a de la glace sur cet œil. Comment puis-je faire? Et zouit. Y a rien d'autre dans la pièce, y a rien d'autre dans la pièce. Là, c'est pour retourner là-bas. On s'en fout, on va là. Oh. Alors, elle amène où? Ok. Link, attention, le plafond nous tombe dessus. Ah mon dieu! Et je peux pas. Peut-être là. Ils n'étaient pas là, c'était le tour d'après. Ok, et eh ben on va aller au bouton. Hein. Mince. Scrogneugneux, scrogneugneux.
Ok. Bah, allez, au coffre. Super, des flèches, merci. Hop là. Ah oui, c'est vrai. Allez, on se concentre, on a l'habitude maintenant. Mais non, mais je veux pas monter dessus, espèce de patate. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Non, mais... Allez, vite, vite, vite. Vite. Ouf. Je pense qu'ils m'ont offert 2-3 secondes quand même. Tiens, qu'est-ce qu'elle en dit, Navi? Amy de la confrérie des esprits, vise-la quand elle apparaît. C'est long. Ah, je sais pas si j'ai perdu Flork ou Anne Chocolatine. Bah t'es tout seul alors. Oui. Mais c'est un peu long quand même, si je peux lui donner qu'un coup toutes les 8 minutes. On va pas aller très très loin. Hop, très bien. Un petit cœur. Mufle. Hop, alors qu'est-ce qu'elle dit la map? Eh ben très bien. Trop bien.
Là, c'est facile, c'est celui qui tourne. Le premier coup, j'ai eu vraiment du bol parce que je l'avais pas vu tourner. Et voilà! La grande question, c'est est-ce que je le tente avec une seule fée? Parce qu'ils vont me donner une fée dans la pièce normalement. Ouais. Je croyais que c'était pas dans celui-là, cette pièce. Je me disais, mais tiens, c'est bizarre. C'est dans quel jeu? Hop, donc là, il y a tout qui est fermé. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il va falloir... Bah, trouver les boutons pour ouvrir les grilles. Trouver le coffre, trouver tout ça, pardon. Là, ça ouvre les grilles. Déjà, c'est pas mal. Allez, et ben on tourne encore. Un autre bouton pour la deuxième grille. Donc il me reste un coffre et normalement il doit y avoir des fées quelque part. C'est toujours une fée avant un boss. Parce qu'en plus dans Tears of the Kingdom, il y a les Korogu, mais il y a aussi les Élusies à collecter. Super. Super. Alors, ça m'inquiète un peu qu'il n'y ait pas de fées. Après, on va essayer, au pire on meurt, hein, mais... Ah si, normalement il va bien y avoir des... Non? On se tente sans fait. Je vais sauvegarder là. Comme ça, ça je verrai. Parce que je me rappelle plus de c'est quoi le boss. Ok. Ah oui, c'est déjà un ganon. Alors.
Allô? Je m'en vais ou... Ah non. Quand même. Mais c'est déjà Ganondorf. Ou pas. Ganon spectral, esprit maléfique de l'au-delà. Il revient toujours au même. Aïe aïe aïe. Ah, cette feinte. Il m'a feinté. Je vais tellement mourir. Sais pas pourquoi j'arrive pas à... Bon, je vais mourir, il faudra que j'aille au bosquet sacré chercher chercher des fées. C'est pas magnifique, hein? Et voilà, je suis morte. Poum, poum, poum. Mais ça faisait un moment que j'avais pas sauvegardé dans le jeu. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Donc ça va. Hop, allez, on va aller acheter. Enfin, acheter. On va aller récupérer deux fées. C'est un peu nul que j'ai pas encore le de champ. D'autres champs que celui de Saria, enfin du temple de la forêt. Et j'ai que trois pauvres cœurs. Et flûte de zut. Il est décédé ton PC? Ah. Oh. Et c'est ça qui faisait laguer, tu penses? Rip. Allez, monte. Encore? Ah ouais, donc. Ah, ça, c'est dommage. Du coup, tu m'as pas vu perdre comme une mouise contre Ganon.
fais les exercices. Et Internet te dit rien? Genre, c'est déjà arrivé à d'autres avec ce jeu ou... Parce que c'est dommage quand même. Voilà. De fait. Alors, menuet de la forêt. Oui, qu'en plus il est redécédé en fait. Ah non? Mais c'est dangereux les jeux sur Internet. Oui, Internet est dangereux. Bon, avec tous mes cœurs et deux fées, on devrait s'en sortir quand même. Non mais c'est bien, au moins l'abomination Ronflex l'euphorie ne verra pas le jour. J'aurais pu me trouver des flèches aussi. Aïe! Et deux cœurs, il m'a pris. Ou à l'autre. Hop, alors, où c'est qu'on en a? On en a un là, un là. Là, on va jouer au badminton. Aïe. Mais sérieux. Merci. Attends. Donc, je vous présente le bras de Flork. Qui m'a fait louper un coup à Ganondorf. Hein? Ah bah on voit que tu suis. Non, c'est le premier temple. Mais c'est un fantôme. Loupé. Je crois qu'on a vu ton genou. Je m'étais dit que c'était fini. Non. Ah si, on voit ton bras.
Allez, meurs. Meurs. Quand tu veux, hein. Mais plus ça va et plus ça va vite, c'est difficile. Je peux pas dire que je galère, mais... En plus, je peux pas bouger la caméra, j'ai le machin au milieu. Ah ben, on voyait bien, là. Ah, je voulais lire. C'est un esprit maléfique du temple de la forêt. Il surgit de l'un des tableaux, répond à son attaque magique avec l'une des tiennes. Mais... Je vais tellement me prendre du feu. Mais faut le taper combien de fois? Bon, la première fois j'ai pas tapé, mais... Ah, c'est magnifique cet angle de vue là. What? Mais ok, si tu voulais pas le renvoyer. Sérieux, il lui restait qu'un coup. Oh là là. Oh, ils sont bien mûrs les abricots. Croustilles. Non? Ils sont bons? Alors, moucheron, tu as appris à combattre? Tu revendiques le sang des guerriers? Tu n'as vaincu que mon faible spectre. Quand l'heure de l'affrontement sonnera, l'ombre du trépas sera sur toi. Ce fantôme était une création pitoyable. Je vais le bannir par-delà les seuils dimensionnels. Bah si, je cueille un cœur, attends. T'es ouf, toi. Tadam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cœurs! Bah, je suis pas bébé. Bah, si, je suis adulte. Non, mais il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Oui, c'était hier ou avant-hier. D'ailleurs, ce serait bien que j'y aille pour aller planter les haricots. Oh, Saria ! Merci, merci beaucoup. Grâce à toi, je m'éveille à la conscience de sage. Je suis Saria, sage du temple de la forêt. J'ai toujours su que tu reviendrais. Je le savais, je te connais bien. Non. Tu n'as pas besoin de te justifier devant moi. Le destin n'a pas voulu que nous vivions dans le même monde. En tant que sage de la forêt, ma place est ici. Tiens, prends ce médaillon. Non, mais elle n'est pas morte. Bah, parce que les sages, ils sont vivants. Ils peuvent très bien être vivants. Vous recevez le médaillon de la forêt. Saria se révèle être une des sages et vous confie son pouvoir. Oui. Saria sera toujours ton ami.
Oui. Oui, tu peux faire. Cousi, cousi. Il va flipper sa mère. Mais il a une boucle d'oreille. J'aime trop sa petite bouille. Bonjour tout le monde. Je suis le bourson de l'arbre mozo. Comme tu as brisé la malédiction du temple de la forêt, je peux croître et fleurir. Merci beaucoup. Tu as vu tes anciens amis? Je ne pense pas qu'ils te reconnaissent avec ta grande taille. C'est parce que les kokiris ne grandissent jamais. Même après 7 ans, ils restent des enfants. Tu dois te demander alors pourquoi tu as grandi. Bon, comme tu as déjà dû le deviner, tu n'es pas vraiment un kokiri. Tu es en fait Ilien. Je suis si content de te révéler ce secret. Mais non, il est trop choupi. Il y a très longtemps, il y eut une guerre terrible avant même que le roi Hyrule n'unifie ce pays. Ah oui, c'est vrai, c'est toujours le bourgeon. Un jour, pour échapper à ce conflit, une maman hyène et son petit bébé entrèrent dans cette forêt interdite. Je me rappelais plus du tout de cette partie de l'histoire. Cette pauvre maman était gravement blessée. Son seul pouvoir était de confier son bébé à l'arbre mozo, l'esprit gardien de la forêt. L'arbre mozo pouvait déjà sentir le pouvoir de cet enfant dont la destinée allait affecter le monde entier. Ainsi fut-il adopté. Sérieux, il est en train de dire que ma mère, elle est morte avec son petit zozotement. Après la mort de sa pauvre maman, il fut élevé comme un kokiri et désormais, sa destinée doit s'accomplir. Tu peux faire. Tu es un Ilien. Depuis toujours, je savais que tu devais quitter la forêt. Tu connais ta propre destinée. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu dois sauver Hyrule. Va, Link. Dissipe la malédiction jetée sur les temples et rétablit paix et amour sur Hyrule. Mais je te peux peur. Bonjour tout le monde. Je suis le bourgeon de l'arbre mozo. Ah, j'espère pas quand même. Non, c'est bon, il a juste dit merci beaucoup. Donc très bien. Je sais pas où je dois aller après. La perverte, c'est ma magie. Et j'ai deux autres sorts. Un sort qui fait un dôme de feu autour de moi. Et le vent de Faror qui sert à rien. Enfin si, qui permet de te téléporter à l'entrée du donjon. Wouhou! Voilà. On est d'accord. Bref, tous mes copains. Maison de Link. Ah! Oui, je crois. Et pour dire qu'il y a quatre pauvres maisons, ils ont pas réattribué ma... Bon, je crois pas. Ils ont même pas réattribué ma maison. Mais... C'est ma maison. Ah oui, c'est vrai, il y a des trucs à lire là. Ah oui. Il y a tous mes points. Araignée écrabouillée, 26. Plus gros poisson, 7 livres. Le marathon, je suis pas sûre de le faire. C'est chiant le marathon. Ouais, mais. Pour boire un coup, parce que j'ai un abricot au travers de la gorge.
Et en fait, non, je vais pas faire les haricots tout de suite. Parce que sinon, il faut que je puisse me TP. Oui. Mais l'idée, c'était, je pensais retourner dans le passé pour aller planter mes haricots. Non. Elle a les cheveux blonds. Saria, elle a les cheveux verts. Pourquoi? Mec, il est bête. Et c'est toujours ouvert sur la sur ton ordi. Donc il n'y a que nous. Coucou Epona. Mais sérieusement. Mais je sais pas où je dois aller. Bah, je sais pas à quel temple je dois aller maintenant. Cocorico? Oui. Mais je vais aller acheter des haricots. Je sais pas si je peux les acheter à cette époque-là. Je pense pas. Je sais pas. On va voir. Parce que je suis blindée de thunes. Ça va vers la montée vers le village Zora. What? Y a pas encore été? Bon bah y a le haricot mais y a pas le vendeur de haricots. Oui là j'ai été. Ouh ça m'agace. Sérieux, tout ça pour ça? C'était pas un endroit de haricots. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas un endroit de haricots. Mais non. Je veux pouvoir me téléporter, sinon ça va être chiant. Donc je vais d'abord attendre d'avoir avancé quelques temples. Et du coup, bah, je vais aller au château. Au moins, on peut aller au village, au château de jour comme de nuit. Ah, je vais aller lui donner l'esprit que j'ai attrapé au village Cocorico. Ah, mais je crois qu'il les vend. Ta carte à 0 points. Reviens vite me voir. Mais oui, j'ai un esprit à te donner. Oh, tu as apporté un fantôme. Ce n'est qu'un esprit. Je t'en donne 10 rubis. C'est tout. Hé. Mais ce gros nul, hein. Ta sœur. Alors je cavale pas les jarres parce que je n'y arrive pas. Ok. Ok, là il me parle de des fantômes, mais on s'en fout. Les derniers esprits, ouais. Vous récupérez une quatrième. Ah oui, si, ok.
Pour avoir la dernière bouteille, il faut que je fasse les 10 fantômes de la plaine. Ou alors je m'en fous. Oh, je sais pas. Est-ce que je fais la dernière bouteille ou est-ce que je continue l'histoire? Ok. Utilisez bien entendu votre arc en restant. Donc j'ai deux fées. En plus. Donc il faut que je vire mes fées. Donc je vais aller acheter des flèches. Ah, je vais aller récupérer le grand carquois. Ah, il fait nuit. Tout, 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 tout. Un poulet est sorti de ton œuf. C'est-il pas mimi la nature, hein? Depuis tout ce temps-là, il n'y avait pas de. J'avais pas passé une journée de Dieu. Non. Mais je peux réveiller Talon qui dort toute la journée. Ma manette a vibré. Mais je crois que j'y suis déjà allée en fait. Ah non. Pourquoi il y a des momies tout le temps? Bon, bah ce jeu, il n'intéresse personne. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ok, je crois qu'il faut les tuer. Mais il va y avoir des sous dedans à tous les coups. Tu vas avoir le seum. Oui, tu voudrais qu'il y ait quoi d'autre? Je suis con. 300 rubis! 200 rubis! Super! J'avais 200 rubis dans ma poche. Bah ouais, mais il faut des sculptures là pour agrandir la poche. C'est toi la poche. Et je pense que j'en suis pas à 30 des sculptures là. Ouais, non. Et normalement, les dorés, ils font 300 rubis maintenant. Là, je vais passer mes 200 rubis à tirer à l'arc. Mais la poule, elle reste dans ma main. Oui, on va essayer. Mais c'est elle qui me l'a donné en plus, la poule. Ça n'a pas l'air de servir à grand chose dans le coin. Mais je peux pas la jeter. Alors, attends. On y va. Je peux pas la jeter. Une poule de poche. Ça ne se jette pas. Hypoallergénique. Parce que la dame, en plus, elle est même pas allergique. Je viens de jeter 200 rubis par la fenêtre. Alors, Monsieur Talon.
On se réveille. Nom d'un pétard. On peut pas piquer un petit roupillon en paix ici. Bah non. Malon est de nouveau heureuse. Je vais retourner au ranch. Parce que... Bah, il s'était fait virer par Ingo. Je sais plus pourquoi. Bah, retourne au ranch alors. Salut. Sa façon de marcher dans la maison, on aurait trop dit qu'il était vénère, Link. Donc, on va tirer à l'arc. Mais j'aurai une partie gratuite. J'aurais dû rester au même endroit. J'aime pas que ce soit pas toujours dans le même ordre dans celui-là. Je vais le louper. Yeah! Et bim, un grand carquois. On peut désormais transporter jusqu'à 40 flèches. Non, parce que ça les dépense pas. C'est fini. 50 rubis, je pense. Bah, la bouteille, il faut acheter des récupérer les fantômes, on a dit. Ah, j'avais peut-être pas dit ça. Qu'est-ce que je voulais acheter? Pourquoi j'avais besoin de sous? C'était pour acheter des flèches, je crois. Mais du coup, j'ai pas besoin d'acheter de flèches. Je vais aller vendre une de mes fées. Et je vais... C'est-à-dire... Ah, oui. Hop, on va lui vendre une fée à lui. Et après, on va aller attraper des Pity fantômes. Mais nique ta mère. Bah, de toute façon, il fallait que je les enlève, les fées des. Parce que je vais attraper des fantômes, mais. Pitié avec ses, pitié, vends-moi un truc avec ses, tiens. Ok, je peux y vendre le poulet. Tu sers à rien, mec. Je vais regarder à combien de sculptures là j'en étais. 26. Et ben du coup, on va faire les fantômes. Donc j'en ai déjà amené un et je crois qu'il faut en amener 10. C'est pas ça que je voulais faire. Et comme ça, on aura un quatrième flacon. Hop. C'est bien parce que les esprits, si tu les vises pas, ils disparaissent pas. Voulez-vous le garder dans une bouteille? Oui. Il faudra que je revienne de nuit aussi. Je vais direct me mettre la nuit. Pour il y a une sculpture là normalement.
Touloutoum, touloutoum, touloutoum. Mais elle est peut-être là que, enfant. Mais ils reviennent à chaque fois. Ah bah ça va se faire bien en fait. Je croyais qu'on en avait un nombre limité d'esprits, mais en fait pas du tout. Oui. Je vais aller voir s'il y a les esprits des musiciens encore. Peut-être que eux, je les revendrai plus cher. Yeah! Même plongé dans les ténèbres, ce chant ne te viendra en aide. N'hésite pas à souvent l'utiliser. Nique ta mère. Pas le prendre en... dans une bouteille. Bah quoi? Mais non. Il a pas disparu, il est juste dans le mur. On est en 96. Mais non. Bon bah il est peut-être mort dans le mur. Pas grave, on va en trouver un autre. T'inquiète, trompette, c'est moi qui suis le chef. C'est moi qui dis quand on y va. Non mais oh! Et celui-là aussi, il est mort dans le mur. Là, 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 là. Bon, on va partir et revenir. On va pas s'enquiquiner. Non mais ça suffit avec les murs, les copains là. Voilà. Hop. Alors, on va changer mes trucs que j'ai dans les mains. Parce que sinon, ça c'est un coup à en jeter un par la fenêtre. Ça me rendrait un peu triste. Ah oui, c'est vrai, il fait tout rouge parce que... Non, on la voit pas d'ici. La montagne de la mort, bah voilà, la montagne de la mort, elle est un peu en éruption. Ah, je vais aller voir ce que je peux acheter. Genre s'il n'y a pas une tenue à acheter, mais je crois qu'elle coûte 300 des tenues et je l'ai dans l'os, mais... Parce que le mec, il les rachète, les esprits. Donc vu que je suis à blinde, qu'est-ce que je peux acheter? Ah bah oui. Cocorico! C'est marrant, on entend un cocorico et le village il s'appelle Cocorico. Trop rigolo.
Alors. Mais je pense pas que lui vende de tenue. Non, ils vont pas de tenue. Oh, tu sers à rien, mec. Tant pis. Je perdrai des sous. Pas comme si je venais de jeter 200 rubis. Par la fenêtre. Parce qu'ils me les achètent, les esprits. Et je suis déjà bien, presque à blinde. Oh, j'ai trop envie de jouer à Twilight Princess. C'est trop dur la vie. J'ai pas assez de temps dans une journée pour jouer. Dit-elle alors qu'elle joue 8 heures par jour. Et stop! 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté. Pas de l'autre côté. Ah mais c'est les... Ok. Bon, je l'ai dans l'os. Je crois que ces esprits-là ne se vendent... Ça se vend, mais ça m'a pas... ça fait pas de points. Oh, tu as apporté un fantôme. Ce n'est qu'un esprit. Je t'en donne 10 rubis. C'est tout. Donc il m'a pas donné de points. Je me disais aussi que c'était trop facile. Donc on va prendre la liste. Donc il y en a 10. Scrognonieux. Bon, du coup, je pense qu'on n'aura pas fini avant ce soir. Alors, où est-ce que je vais plutôt trouver facilement les esprits sur la map? Alors. Interactive map. Pleine d'Hyrule. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Ouh là là. Parce qu'en gros, j'aimerais bien... Une map de la plaine d'Hyrule pour me dire à peu près où ils sont, mais visuellement les fantômes. Non, je l'ai dans l'os. Ok. Très bien. Alors ce sera textuellement. Près de l'arbre devant l'entrée du ranch Lonlon. Mais je croyais que lui, je l'avais eu déjà. Tout cas, lui, je l'ai déjà tué, mais peut-être j'avais plus rien. J'avais peut-être plus de flèches. Oh, il est là. Alors B. Donc lui, il était près du panneau. Et il y a eu un quart de demi-seconde où il y a eu des gens. J'ai vu un 4 s'afficher. Allez, mais descends. Chut. Descends. Non, lui, il est rentré, il est reparti. Ah non. Bon.
Oui, vous obtenez un esprit. Bon, j'espère que l'ordinateur d'Anne Chocolatine c'est pas a pas pris feu. Il y en a un autre là déjà. Et de deux. Donc j'ai l'impression qu'il y en avait un entre les deux. Alors. Près de l'arbre devant l'entrée du Ranchelon, au niveau de la vallée Gerudo, là où on trouve. Non. J'ai vraiment l'impression qu'il y en avait un là entre les deux. Mais je le vois pas sur la liste. Donc bon, on va reprendre le cheval, on va aller vendre les deux qu'on a là. Et puis on va repartir en chercher d'autres. Parce que il y en a quand même 10. Ah bah oui, on a bien hein, là. Qu'est-ce qu'elle veut, Navi? Ce nuage au sommet du mont du péril ne m'inspire pas confiance. Ah mais oui, c'est vrai, on peut demander à Navi quand on sait pas où aller. Donc il faudra aller au mont du péril. Cool. Combien? Ouh. Très bien, je peux m'acheter Mario Kart. Vous avez vaincu un esprit. Oui. Eh ben, trois esprits déjà, c'est pas mal. Hop. Oh, tu as apporté un fantôme. Ce n'est qu'un esprit. Je t'en donne 10 rubis. C'est tout. Mais c'était incrusté sur la plaine et tout. Ce n'est qu'un esprit, mais scrogneugneux. Non, mais il reconnaîtrait pas un esprit. Ok. Bah, je suis super perplexe.
Alors, je vais relire tout ce qu'il dit. Et jeune homme plein de vie. Quoi de neuf? As-tu un esprit ou une âme à me vendre? Ta carte a 0 points, reviens vite me voir. Bon bah je sais pas. Je comprends pas les subtilités là. Donc on va continuer, hein. On va aller se balader. Une fontaine des fées, il y en a une au village Cocorico. Je ne sais pas. Oui, je crois, mais où? Alors, fontaine des fées. Bois perdu, cimetière Cocorico. Et du coup, Popona, voilà. Mais en fait, Twilight Princess, j'hésite à le refaire parce que s'il a vieilli, je sais pas si je me remettrais du fait que... Oui, et puis je l'ai refait il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Je l'ai refait sur toutes les plateformes, même sur la Wii U. Donc j'avais peut-être déjà fait Breath of the Wild. Non, j'avais pas encore fait Breath of the Wild. Mais j'ai trop peur. Mais bref, on va aller se remplir nos trois petites bouteilles avec des fées. Qu'est-ce que je cherche? Si j'ai des sous, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Hop. Donc sous une des tombes avec des fleurs. Ah oui, et je me rappelle plus. La course d'Igor, je sais plus ce que ça donne si on arrive à le court-circuiter grâce au grappin. Je me rappelle pas. Je l'ai vu l'autre jour. Merci. Alors super, là ça me dit pas quelle récompense il va y avoir. Ok, il nous donnera un quart de cœur. Bah on va essayer aussi. Hein. Et je pense que quand on aura fini, ce sera le temps d'aller au dodo. Hop, des petites fées. Et de une. Et de deux. Ton non non non. Et de trois. Hop. C'est pas ça que je voulais faire. Donc on va aller faire la petite course avec Igor. J'ai peut-être la trône de travers, mais je fonce comme une flèche. On fait la course? Oui. Bah, pourquoi? Il m'a offert le grappin? Non, il m'a pas offert le grappin. Si, il m'a offert le grappin. Moi, je me rappelle plus.
Oui, il était vieux et sacrément moche. Voilà là. Je l'ai. Non, je l'ai pas perdu. Mince. Je croyais qu'on était arrivé à l'endroit où il fallait utiliser le grappin. Ah mais non, il faut le super grappin. Je suis bête. Bon bah j'ai perdu la course. Parce que je me suis arrêtée. Hop, donc Cassos. Il m'a fait perdre un cœur et demi quand même. De vieillesse je pense, je sais pas. Ils disent pas. Je suis quand même restée endormie 7 ans. C'est pas rien. Donc, nous disions Mont du Péril. Et du coup, ça. Ah, bah non, 21h23. Si je vais faire. Est-ce que je vais faire de dos ou est-ce que j'avance un tout petit peu plus? Ok, et ben du coup je vais juste rentrer dans la zone, comme ça au moins je saurai où j'en serai demain. Enfin demain ou la prochaine fois. Puis je vais sauvegarder. Ça va être le moment d'aller faire. Oui. Ça c'est fait. Hop, sauvegarder. Très bien. Et ben du coup, je vous dis à demain, plein de bisous. Et puis du coup, rendez-vous demain, 9h30 normalement. Je sais pas encore pour quel jeu. Voilà, voilà. Et ben des bisous. À demain, bonne nuit. Ah, on va regarder. Non, j'ai personne à envoyer. Bonne nuit.